Hey, c'est Zed, aujourd'hui on se retrouve sur Breath of Fire 3. Ma dernière vidéo, elle s'est coupée brusquement. Encore un bug de Mozen. Enfin, c'est pas un bug, c'est parce que j'avais plus d'emplacement. Du coup, là j'ai fait un max de place et je pense que c'est bon pour tourner. Puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Aujourd'hui on se retrouve sur Breath of Fire 3. La dernière fois, on avait pris les trucs là comme ça. Pour. Ouais. C'était pour voir. C'était pour récupérer, voilà, il fallait récupérer une carte magnétique. Non, la carte magnétique, on l'avait récupérée avant. C'était pas une carte magnétique, c'est une carte d'identité. Oh, je me perds. What the fuck? Non, il y avait plein de trucs à récupérer, mais je sais plus ce que c'était, franchement. Mais ça devait être important. Et normalement, il nous reste un seul parcours à faire, le parcours 6. Donc, je vais le faire tout. Je sais pas s'il va servir à... Je sais pas s'il va servir à grand chose, parce qu'on a déjà été tout voir, normalement. Et... Mais on verra. Ah! On va descendre. Si on se met au-dessus, c'est on descend, c'est sûr. Wanky Studio et Terracid viennent tout juste d'aimer une photo. Bah c'est cool. Franchement, ça... Cool. Putain, c'est... Merci. C'est tout. C'est juste ça le parcours 6. Là, on descend normalement. Ah non, je vais avoir un compte. Je suis pas coiffé, hein. Je le dis. En même temps, je ne suis jamais coiffé. Et voilà, c'était le parcours 6. Du coup, on n'a plus rien à faire ici et c'est bon. On peut partir. Oh, il y a du pain. Donc, du coup, maintenant, vu qu'on a fait les trucs qu'on a. On a activé la grue, voilà, j'avais oublié, on a activé la grue. On va sûrement pouvoir l'utiliser. Et ça sera sûrement marrant. Enfin, j'espère. Effectivement, c'est la grue qu'il a. Et ça doit être pour l'activer. Tableau de contrôle de la grue. Contrôle avec quête, contrôle sans aide. Attends. D'accord, donc là, il y a clairement une aide. En maintenant, on touche la touche droite, tu déplaces la grue. En maintenant, la touche enfonce l'écran. Ok, je comprends pas. Ok, donc là, elle attrape un conteneur. La grue revient après avoir déposé le conteneur. Marche pas, je vais le faire hors caméra sinon ça va être vraiment chiant. Ok, donc en fait ça fait un chemin seul. En fait il suffit juste de les attraper après la grue, les amène tout seul vers le chemin, ça sera très bien. Mais y a beaucoup trop de cartons en fait pour ça, du coup à quoi ils vont servir les autres cartons? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, là, je fais un perfect. Hein. Vous pouvez pas m'en vouloir. Le chemin est complet, mais il reste des caisses. Du coup, on va aller chercher les caisses pour voir ce qu'elles font. Enfin, je crois que pour l'instant, j'ai vu qu'une seule caisse qui est pas. Je vais le faire et après, on voit. Une petite chose d'abord. Il y avait une mallette de l'autre côté. Est-ce qu'on peut l'atteindre maintenant? Peut-être que... Oui! Ouais, putain, il reste plein de caisses, elles vont servir à quoi? Donc là, c'est pour Momo, je m'en bats les couilles alors. Qu'est-ce que je m'en fous? Ce sera nécessaire. Non.
Attendez, est-ce que j'ai passé à côté de beaucoup de choses ou est-ce que c'était pas obligé? Mes cheveux, c'est une catastrophe. Et pourtant, je suis allé au coiffeur il y a 2 semaines. Allez, une semaine en plus. D'accord, ça on peut passer. Je vais tout faire ça hors caméra, sinon ça va être énormément chiant. Salut. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire du coup? Oh! Protection. Mais c'est de la merde ça, non? Attendez, je suis pas sûr. C'est pour qui? Bah voilà, j'ai 4 protections, c'est. Ok, donc j'ai fait tout ça pour rien. À moins que dans les autres caisses, il y a un autre truc qu'on sent pas les couilles. Franchement, là, c'est trop bon. Y a pas de trésor ici? Mes avis que non. Ok, donc on continue tranquillement. Et je sauvegarde d'abord. Aha! Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ça pour une putain d'entrée magique. Est-ce que je suis d'accord? Ouais! Un dortoir, d'accord. Il y a quelque chose ici. Ammoniaque, yes. Non! Sérieux? J'ai déjà tout acheté. J'ai quoi? 99 pétards, 50 multivitamines. Ouais, faudra que je fasse le plein pour ça. Ah ouais, effectivement, 99 ammoniaque, singulaire 84. Mais de toute façon, j'en ai plus besoin des singulaires tout ça parce que maintenant, mes pépés se régénèrent quand je marche. Donc j'ai juste à trouver un endroit safe, je marche et c'est bon. Ah, un combat. Encore dortoir. Ah, cette feuille, cool. Ici. Voici le compteur de propulsion. Je sais pas ce que c'est, mais. Ok. Pff, ça sert à rien. C'est long. C'est vachement long. Je commence à avoir mal aux pieds. Waouh, c'est chaud. Je vais me mettre sur le. Hop. Salut. Ah, on va utiliser notre carte. Contrôle d'ID nécessaire pour utiliser l'ascenseur. Ok, cool. Donc du coup normalement on peut. Il y a deux trucs. Ah ça? Effectivement, c'est pour aller dehors. Ça sert pas à grand chose, du coup on va s'en aller, ça sert pas du tout à grand chose en fait. En fait, ça sert même à rien. Moi, j'ai envie de dire, ça sert à rien. Mais disons-le, ça sert à rien. Et donc, qu'est-ce qu'il y a en haut? Non, c'est pas. Rien. On dirait un système de contrôle du bateau. Quand je vous disais qu'il fallait prendre Momo, maintenant on est bien dans la merde. Allez, je vais chercher Momo hors caméra, on se rejoint juste après. Enfin, vous, ça va durer une milliseconde. Les amis, c'était long. C'était vraiment long.
Momo, elle est nulle. On dirait que ça sert à contrôler le cap. Si on le démarre, mieux vaut suivre les instructions de Cucui. Il devra sûrement renaviguer en mer. Mais pour en venir à bout, nous devons découvrir ce qu'est un compteur de propulsion. Le web, ouais, bah, tout dans cette île-là. Je crois qu'il y avait quelque chose de semblable au pont inférieur. Peux-tu y aller? Je voudrais que tu me lises le chiffre affiché par le compteur de propulsion. Ensuite, tu reviens et tu me le dis. Je mets la propulsion en marche. Cours en bas dans la salle de contrôle et dis-moi quand le compteur atteint 100. Je pense que tu le sais, mais le compteur continue de tourner quand tu quittes la salle de contrôle et pendant que tu reviens ici. N'attends pas qu'il atteigne 100, tu dois être de retour à temps pour me faire ton rapport. Alors veille à avoir un bon timing. C'est parti, prêt? Oui. Propulsion démarrée. Bon bah c'était anti-pandémie. Hein. Normalement elle devrait pas y en avoir, je pense. Contrôle d'idée nécessaire pour utiliser l'ascenseur. Contrôle d'idée, ouais. J'ai une étiquette dans mon dos, elle me fait chier, gars. Vous la voyez? Elle me fait chier. Ok, c'est cool, il n'y a pas d'ennemis. C'est long hein, c'est chiant. J'aurais dû y aller avant, je suis con. C'est quoi ça? Je vais pas arriver à temps. Je vais y aller à 70. J'aurais jamais attendu. Ça, faut que je parte maintenant. Parce que quand on est arrivé, c'était à 30. Et du coup... Ah putain, faut compter. Oh non, faut que je compte. 1. Alors c'est qui le bonhomme maintenant? On a réussi. C'est grâce à moi. C'est qui a merveilleusement bien compté? C'est moi. Eh, on dirait que le bateau noir veut partir. Il est temps que nous partions. Pas de problème, soyez prudent. Je rapporterai ça à la guilde des machines. Mais de quoi ils pouvaient parler si c'était à deux? Eh, t'as vu, mes bras, ils sont trop gros comparés aux tiens, ouais. Une vraie discussion de bonhomme. Tout le monde sur le pont.
Ça va nous indiquer la position de Dieu. Ok, c'est. Bah, c'est vers les autres mers. Hein. Ça va, les mecs. Et ouais, hein. On est enfin parti. Aïe, c'est quoi? L'œil de truc, un truc de genre. L'œil de Dieu. Le chemin vers Dieu. Le Dieu que je. Que j'allais te rencontrer. On dirait que ce. Bateau veut nous emmener vers lui. Bon, je ne sais pas grand-chose de Dieu, mais cela nous y emmènera que nous le voulions ou non. Comme nous ne connaissons pas la durée de la traversée, nous pouvons nous détendre. Ah ouais. Donc il y a une chambre pour les filles et une chambre pour les mecs. Bah c'est cool, je me pose la question si Momo c'était un mec ou une fille, bah maintenant j'ai la réponse. Bah c'est quoi ça? Merde. Pourquoi suis-je venu? C'est le moment de poser cette question au point de non-retour. C'est comme il a dit. Même si ma force et celle de la race ne sont pas du même niveau, elles se ressemblent quand même. Ouais, tu transformes en tigre au super dévoreur, mais t'as failli nous tuer, donc non, 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 non. Sinon, rencontrer Dieu ou quelqu'un, je saurais d'où vient la puissance. On est arrivé. Putain, on est arrivé! On n'est pas arrivé. On dirait qu'il s'est passé quelque chose. Quelque chose, cherchons. Nina? Xalit! Il s'est passé quelque chose. Allons au pont et parlons avec Momo. Je te rejoins. Putain, non. Pas en pleine mer. Ah, c'est ça qu'elle traficotait, Momo. Maintenant, on a plus besoin de mettre tous les chiffres. D'accord. Ça fait quoi? Bah, lui, bah, les couilles, hein. Momo, que s'est-il passé? On dirait que quelque chose cloche sur le bateau. Oui, c'est certainement à cause de quelque chose que tu as fait. Ah putain, quel bâtard. Non, regardez ça! Il y a un problème sur le pont supérieur. Nous avons probablement frôlé un objet à l'avant. Nous devrions vérifier comment. Pouvons-nous aller là-bas, Momo? Laissez-moi voir. De l'autre côté de nos cabines, un couloir semble mener vers la proue du bateau. Elle a ouvert la porte. D'accord, j'ai eu peur. J'ai ouvert la porte du couloir pour vous. Bien. Et qui va y aller? Bah, l'équipe de choc! Décidons de qui doit visiter le bateau avec qui. Ok, on se rejoint devant le couloir. Enfin, dans le couloir plutôt. C'est parti. On y va.
Putain, c'est carrément un chemin en fait. D'accord. C'est un labyrinthe. Oh, il y a deux chemins, j'aime pas ça. Ok, bon, je préfère. Des ivoires, cool. Je sais toujours pas à quoi ça sert, mais c'est cool. Voilà sur quoi je tombe. J'ai oublié de rallumer la caméra. Oh, mince! C'est long. Ça veut vraiment quelque chose. Ok, ça commence vraiment à devenir chelou là, par contre. Waouh, c'est quoi ça? Ah, désolé. Non, c'est pas ça. Hein. J'aime bien les couteaux de Ray qui font direct mort subite quand ils attaquent quelqu'un. En fait, ça marque mort subite comme si c'était un sort, quoi. Et ça tue quelqu'un en un coup. Voilà. Du coup, le crabe que vous avez vu, bah, il a pas fait long feu. Les couilles. Oh, c'est chiant le combat. Ok, je pense qu'on arrive sur le pont. On est sur le pont. Oh non, cinématique. Quelque chose touche la peau. Un boss, super, comme si j'en avais envie. Ah bah c'est encore le dauphin, non? Oh c'est lui, je me fais une barre. D'accord, c'est pas le dauphin. C'est tout aussi moche, hein. C'est comme Charlie Dessy, là, il y en a deux. On recule ou parce que là, il y a... Non, c'est bon. Tu crois que c'est ici? Crois-tu qu'on doit se battre ici? On n'y voit rien du tout. Ouais, voilà, retournons en arrière, c'est mieux. Touche de direction droite pour aller en arrière. Attention monstre. Déplacez-vous et attendez l'ouverture suivante. C'était de la merde. Mais bon. J'ai pas compris ce qui se passait en fait. Ok. Effort maximum. Merde, ils sont deux. Ouais, non. C'est ça que j'ai... Non, c'est ça que j'ai... Waouh, j'ai perdu le fil avec tout ça. Je sais même plus lequel, mais je sais que ça, ça va nous être utile. Ok, action. Franchement, je pourrais terminer le combat super rapidement avec mon behemoth, mais la beauté ne serait pas là. En cas de secours, j'utiliserai. En cas de besoin, plutôt. Pas en cas de secours, attends. Ouais, lui ça ira. Non, je déteste cette attaque! Surtout pas! Ça baisse la moitié des PV.
Ça va, c'est les deux plus forts qui ont été touchés. Ils sont passés au mes singulars. Singulars. Eh, j'ai 22 fruits sages. Attends, je m'en ai pas rendu compte ça. Ah ouais, c'était parce que je les avais dépliqués, c'est vrai. Je suis un peu dé. Ok, et donc. C'est de la merde. T'es un drôle toi. Allez, on attaque tous ensemble. Voilà, c'était rapide. 2 minutes ça m'a pris. Notre équipe est surdéveloppée. Tu crois vraiment pouvoir nous d'abord? On peut partir. Oh, on va devoir refaire tout le chemin. Non, c'est bon. Après de longs jours, le bateau atteint la mer extérieure. On est enfin. C'était compliqué. Mais on y est. C'était long surtout. Ça m'a pris environ 45 minutes d'y arriver. Pour les deux vidéos. Mais. Objectif inconnu. On est arrivé où? Attends, on a fait escale? C'est-à-dire qu'on est dans une ville? Il y a des villes de l'autre côté de la mer? Nous avons réussi! Cela ne semble guère différent de chez nous, non? J'avoue. Qui sait? Peut-être y a-t-il des monstres de la taille du bateau noir? Pff, t'es pas drôle. En tout cas... Nous sommes à présent dans un nouveau monde. Nous devons être vigilants. Je le fais pas dire. Non, c'est quoi cette équipe de merde? Là, ma voix elle est peut-être décalée. Non, elle est pas décalée. Vous me le dites si elle est décalée. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner, de commenter, de partager. Là, vous vous demandez pourquoi il y a plus loin. Parce que j'ai tourné 5 minutes de plus sans me rendre compte que la caméra s'était coupée. C'est-à-dire que je fais des trucs que vous verrez jamais. Alors en fait, il y avait... On a fait un feu de camp en sortant de la map. La map déjà est super stylée, c'est un désert avec des villes abandonnées partout. Ensuite, on a été au feu de camp. On a vu Ray, il se parlait à soi-même en fait, il se posait des questions. Il disait est-ce que c'était pas mieux de revenir à de rester comme bandit à Hiral, voilà, à Dubois quoi. Ensuite, il y a Ninoc qui a eu un double et qui se demandait mais il y a mes parents et tout qui m'attendent à la maison. Pourquoi je suis parti? Et si je voulais seulement pas être princesse, voilà. Et ensuite, il y a Momo qui a dit, qui elle était carrément convaincue. Les deux, ils disaient la même chose, son esprit et elle. Ils disaient, oh, on va découvrir le mystère des machines. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Ensuite, je découvre la map et puis voilà, c'est tout. Donc voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt, demain sûrement. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais là, je fais des vidéos et tout, c'est trop bien. Mais je sais pas parce que je reprends les collants en fait. Là, au moment où vous regardez cette vidéo, j'ai déjà repris l'école en fait.
Voilà, donc salut, allez, voilà, je laisse pas la vidéo durer trop longtemps, sinon ça risque de compliquer les choses, allez, salut.